Salut à tous et à toutes, ici Shaker, comment allez-vous? Moi je bien, on se retrouve au milieu d'une forêt désolée par la destruction et tout. Non, c'est moi qui ai tout pété. Avec l'épée de légende, parce que je suis un bûcheron comme ça. Alors en fait, j'ai découvert que, si vous vous souvenez, il y avait une maison qui était à vendre. Et cette maison, je l'ai trouvée. Alléluia, mes frères. Donc, cette maison, nous allons l'acheter. Mais comment, me dites-vous? Avec quel argent? Quelle est cette erreur? En fait, j'ai trouvé la quête du gars. Tout le monde m'a dit où elle était. Et comme vous le voyez ici, j'ai 3246 rupies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux épisodes? Mais qu'est-ce que t'as fait, Shaypiller? Comment t'as trouvé tout cet argent? T'as braqué une banque? Non, j'ai tout simplement vendu absolument tous mes trucs de gardien que j'avais dans les poches. Mais tu te rends compte, tu pourrais faire des trucs? M'en fous. Mais... M'en fous, ok. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, si vous regardez mon inventaire, j'ai plus rien de gardien. Parce que j'ai tout vendu. J'ai gardé les cœurs quand même, parce que c'est rare. Et les cœurs gros, parce que c'est très rare. Et tout le reste, bah, je l'ai dégagé. Du coup, le but, c'est maintenant d'aller voir le gentil monsieur là-bas avec 30 fagots de bois, ce que j'ai. Et 3000 rubis, ce que j'ai. Le monsieur pour avoir la quête ici. Et derrière la maison, en temps normal, il est juste là. Vous avez la quête par ce personnage qui est ici normalement. Et une fois que vous l'avez, on va patienter jusqu'au midi. Si ça se trouve, bah, il va revenir, ça serait bien. Donc la quête pour la maison est derrière. Il y a un bonhomme avec un bandeau rose. Vous le croisez, vous lui parlez, il vous fait ça fera 50 000 rubis. Tu fais, mais j'ai pas assez d'argent. Il fait ça fera 3000 rubis. Ciao. Est-ce que tu peux me payer 30 fagots de bois? Je paye. Parfait. Allez, par ici la marchandise. Tu viens de me prouver à quel point tu es sérieux. Comme promis, je veux bien te mettre de... Une fois que tu auras réuni l'argent... Salut, j'ai l'argent. J'ai l'argent. Sérieux? Tu veux vraiment me donner 3000 rubis? Oui, je paye. Waouh, quel homme. Tiens. Merci pour ta confiance. Quel homme. J'ai resté à râtelier d'armes. Oh. J'en ai que là. Du coup. Exposer. L'épée de légende. Oh, attends. Si par exemple je fais ça. Je fais Oh là 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 là. Par exemple, si je fais ça. Oh, c'est photo que ça fait. Oh là là, c'est stylé. Du coup, j'ai que ça. C'est très bien. Wouh! Du coup, je peux exposer des armes. C'est bien. Ok. Sinon, je pourrais avoir une porte d'entrée chez moi. Et est-ce que je peux avoir du matos chez moi? Coucou, j'ai demandé de faire un peu de défrichage. Du défrichage. Oui, pour développer notre entreprise, j'aimerais qu'il parte bientôt au Valon. Je veux dire, ça va être plaisir. Allez. Oui, que fais-tu? Je suis en pause. Alors, tu l'as acheté la maison? Oui. Bah, c'est rien. Alors, quoi? Je vais bientôt quitter le village. Pourquoi? À cause de ma mutation. La mutation. Va attendre à cette activité. Merveilleux. Une sacrée chance. Où vas-tu aller? Au nord du domaine Zoré, dans la région d'Akala. Ça a l'air loin. Ben, ouais, bonne chance. Ouais. Bon bah, quand il faut y... tu me rends visite en Akala, c'est l'occasion, c'est en envie. Bon, à la prochaine. La solitude d'un homme. Ça se sent qu'il avait envie d'y aller. Je suis heureux pour sa mutation. Et toi, t'as quelque chose à me dire? Ah tiens. C'est vrai, félicitations pour ce bel achat. Tu parles d'une surprise. J'ai tué beaucoup de gens. A plus. Alors, j'ai eu une quête. Une affaire en plein essor. Grenade Charpentier a été envoyé pour travailler sur l'expansion de la rue. Bien, non, si vous passez dans le coin, n'oubliez pas d'aller le saluer. Est-ce qu'on devrait aller faire ça? Déjà, tout d'abord, on va se mettre ici.
Et on va attendre jusqu'à midi la journée prochaine. Parce que je veux savoir si j'ai une porte. Parce que si je n'ai pas de porte, c'est intolérable. J'ai pas de porte. Hop, je vais prendre ça. Sinon, je peux décorer ma maison, faire des trucs. Parler. Ciao, bien le gros du travail, tu me feras plus grand bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce rien direct, tu n'es pas d'accord avec moi. Laisse-moi deviner. Tu as acheté ta maison, mais tout de suite, oui. Tu es un garçon, tu me rappelles moi quand j'étais jeune. Donc, je peux te fabriquer des meubles qui valent 5000 rupies l'unité. Pour toi, ce sera que ça. Ah, oh, je t'aime. Attends, il me faut 100 rubis. Attends, mais je les ai déjà. Je suis con. En route. Coucou. Qu'est-ce que je construis un truc? Qu'est-ce que tu veux? Un truc pour dehors. Qu'est-ce que tu veux à l'extérieur? Oh. En fait, oublie ça. Construis un truc. Un meuble. Un lit. Ça fera 100 rubis, je les ai. Voilà. Et on va faire une porte aussi. C'est parti. Du coup, il va me falloir environ 1000 rubis de plus, je dirais. Je pense que je vais vendre un ou deux diamants. Oui, je te fais confiance. Je veux une porte. Assieds-toi. Maintenant, on peut parler. Coucou. Construis un truc. Un meuble. Une porte. Je les ai. Alors, je pense qu'il va falloir que j'aille vendre 2-3 trucs. Je vais regarder combien de trucs il y a à construire. Pour savoir combien de rubis il me faut. Je sais pas s'il y a plusieurs ateliers d'armes et tout ça. Vous savez quoi, je vais vendre mes 3 rubis. En mode balestèque. Je les trouverai d'une façon ou d'une autre. Si j'en veux. Alors, ça me fera 1500 rubis. Soit ça, soit je vends. Je sais pas, je verrai bien. En route. Hiya! Le magasin de vêtements, c'est celui-là. Salut, je viens te ruiner. Alors, bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce que je peux? Je viens vendre. Qu'est-ce que tu veux me vendre? Tout! Je veux tout te vendre. Non, peut-être pas. Je vais te vendre des gemmes Nox. J'en ai beaucoup des gemmes Nox. Les gemmes Nox, c'est pas ça. C'est les opales. Ah, là. Je vais t'en vendre 10. 10. Je vends. 700. Oui. Ça. Je vends tout. Oui. Ça. Je vends tout. Oui. On va dire que j'ai assez. J'ai limite 1000 rubis. Du coup, j'ai de quoi construire 9 choses. À 20 rubis près, je pouvais en construire 10. Damn it. Bon. Ça, j'ai déjà construit 2 trucs. Techniquement, ça m'étonnerait que ça coûte plus, beaucoup plus que 1000 pour faire plus qu'on vient de faire déjà tout. Oh, j'ai une porte. Donc ça, c'est ma maison. Très bien. Il n'y a pas moyen de se téléporter chez soi. C'est un peu triste quand même. Coucou, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Construis un truc. Un râtelier. Ah, d'accord. Non, pas ça. Construis un truc. Un meuble. De l'éclairage. Ça fera 100 rubis. Oui. Hop, on va tout construire.
Là, c'est l'épisode Sims. Ça, c'est l'épisode Sims, quoi. C'est l'épisode du ruminage Sims. On va devenir des bêtes de travail. Avec des torses musclés et tout. Mettre un petit peu de son dans mon casque parce que j'ai pas de... Ça progresse, ça progresse. Je te fais confiance, hein, tu m'as vendu une maison à 3000 balles. Ok. Elle prend forme, il y a une porte. Construis un truc. Un truc pour dehors. Une plaque. Je les ai. La plaque, je me demande si c'est pas le truc de téléportation. Et ça, ce serait bien. Et si le gars il me construit un truc de téléportation comme ça, il est quand même puissant. Ah, il a une certaine puissance. Frobasier. Avant d'impressionner notre client, c'est moi que tu l'as impressionné. Oui, patron. Oula. Ça progresse, ça progresse. Alors, la plaque, je vais me retourner. Et elle est... Ah. Chez Link. Oui. Attendez. Enfin, je sais pas. Construis un truc. Pour dehors. Un parterre de fleurs. Ça fera 100 rubis. J'ai. Je veux des fleurs. Ça fera joli. Puis un jour, je me rappellerai avec Epona, puis je la garerai dans mon garage. On a 7 couleurs de peinture. Et le cœur chamarré. Oh, j'ai des fleurs. C'est la première fois que j'ai une cinématique qui m'indique que j'ai quelque chose. On va tout claquer, hein. Tout. Je vous préviens, la maison elle est complète quand on termine cette vidéo. Elle est complète de chez complète. Quitte à me vider les poches, on l'a fini la maison. Un truc pour dehors. Des arbres. Ça fera 100 rubis. J'ai. Ça sert majoritairement à rien. J'ai pas besoin d'arbres. Si je veux des arbres, je vais niquer une forêt pour être très clair comme j'ai fait tout à l'heure. Mais voilà. La scie ne vient pas en tirant. Inutile de la pousser. Si la scie ne vient pas en tirant, c'est la scie. Si la scie... Écoute, j'ai des arbres. Eh, ça commence à être joli chez moi. Ça progresse, ça progresse. Non, j'irai que quand j'aurai absolument... tout. Coucou. Construis un truc. Qu'est-ce que tu veux? Un râtelier. Un râtelier pour une arme. Ça fera 100 et 8. Je les ai. Je sais pas si tu peux construire genre un nombre limité de râteliers. Ou genre si tu peux les changer pour échanger un râtelier d'armes pour un râtelier de boucliers. Genre tu peux en avoir 3 maximal. Parce que dans ce cas-là, je sais pas si je voudrais 3 râteliers d'armes. Ou un de chaque. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ah, faut que j'attende. Coucou. Construis un truc. Qu'est-ce que tu veux? Un râtelier? Quel genre de râtelier? Ah, je peux en faire encore. On va aller jeter un coup d'œil. Il s'est mis où le deuxième râtelier? Il s'est mis là. D'accord, à mon avis, on peut en avoir 3 de chaque. Genre 3 là, 3 là et 3 là. Du coup, j'aurai pas assez d'argent. Je peux dormir dans mon lit? Oh, je peux dormir! Jusqu'au matin. Est-ce que ça me remet full vie? Dites-moi que ça me remet full vie. Le soin du cheese. Tu m'auras coûté 3100 rubis, du coup, pas assez de cheese. Oh, ça me remet full vie! 5h du matin, c'est le matin. Vous êtes fous. Ok. Du coup, j'ai ça. J'ai des fleurs. C'est tout. Et j'ai des vieux arbres. Très bien. Oh. J'ai un caillou. Oh. Faites un vœu. Oh! Ouais. Ouais.
Ouais. Ça, c'est les tables. Bah, en fait, on n'aura pas construit toute la truc parce que. Bah. Ça m'embête un peu en fait. Construire pour une arme, ça fera 100 rubis. Je suppose que je peux en faire. Je pourrais plus faire de râteliers d'armes, mais je pourrais faire des râteliers de. D'arc et de bouclier, que je peux en avoir genre 3 de chaque. Oh, ils sont vraiment gays, je pense, au final. Je pense qu'il va falloir que j'aille vendre un diamant. Je suppose qu'il a mis le troisième à côté de l'autre. Ouais, il a mis les trois là-bas. Du coup, voyons voir si ma théorie est bonne. Coucou, construis un truc. Un râtelier. Arc, oui, je peux en construire. Du coup, il me manque 300 rubis. Enfin, 220. On va faire ça. Oula. Ils sont finalement bien définitivement. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont envoyé l'autre ailleurs. Bah, pour extendre leur entreprise, j'ai bien compris, mais. Enfin, je sais pas quoi. Genre, pas tes potes. Genre, très clairement. Mince. Je sais que cette arme-là. Je veux pas m'en servir. Cette arme, non. Là, je veux pas m'en servir. Cet arc, là, je veux pas m'en servir. Ils sont beaucoup trop beaux et uniques pour que je veuille m'en servir. Désolé. Construire un truc. Un râtelier. Bouclier. Je vais mettre le bouclier que j'ai là, le doré. Je sais pas s'il y a moyen de le récupérer, ce bouclier là. Mais bon, il est beau. Je sais pas le dernier, le Gerudo, qu'est-ce qu'il me donnera. Parce que pour l'instant j'ai eu l'épée, la lance et l'arc. Gerudo, ça doit me donner une lance, quelque chose du genre. Connaissant les Gerudo. Voilà. Celui-là, que je trouve vachement beau. Et il l'a mis ici. Ah oui, oui, c'est stylé. On va lui demander de reconstruire. Construire un truc. Un râtelier. Arc. Et on va récupérer 120 rubis. Je vais aller vendre un diamant pour être tranquille. Les marteaux frappent sur un rythme endiablé. Jusqu'au bout de la nuit. Voir mon coin près de l'imprimante m'indique que je dois faire un chouïa de ménage chez moi. Hop, j'ai les grandes escalades et tout, c'est stylé quand même. Là, je suis en mode barbare et tout, là, c'est le style. Hein. C'est le style. Bon, la tenue est moche dans l'ensemble, mais c'est le style. Genre, je pourrais mettre un pantalon encore plus dégueulasse. Qu'est-ce que je fais là? Je vais vendre un diamant et je vais construire les deux derniers trucs. Ce sera la vidéo Sims. Il se passe rien d'autre dedans, je vous préviens. Par contre, dans le prochain épisode, on ira voir les Gerudo, je pense. Hi. Je viens vendre. Je viens vendre un diamant. Un seul. Oui. Hop là. Du coup, il n'y a pas moyen que je me téléporte chez moi, n'empêche. C'est... Enfin, c'est un peu triste, quoi. Je m'attendais à... Genre, ça, c'est ma maison, que je puisse me téléporter là-haut, quoi. Eh non. Combien j'ai de... Non, c'était bien ça. 3. Il m'en manque une. Une pour améliorer l'endurance.
Construis un truc. Qu'est-ce que tu veux? Un râtelier. Pour arc. Du coup, il nous manque que... deux râteliers. Celui-là et deux boucliers. Donc trois. Enfin, je parlais après celui-là, du coup deux. Je sais plus, j'en ai construit qu'un, un de bouclier. Du coup, ouais, là j'ai tout ce dark, il m'en manque deux de boucliers. Construire un truc. Je me demande si je vais aider gros alliés, je pourrais avoir d'autres meubles. Genre, je sais pas, une table de craft, quelque chose pour améliorer. Parce que apparemment on peut améliorer les équipements. Puisque j'ai un marteau qui a une durabilité augmentée, j'ai vu un marteau qui boostait le lancer, et pourtant c'est que des marteaux normaux, du coup je pense qu'il y a un truc pour les améliorer. J'aime bien la maison, elle était sur le point d'être détruite, et puis bah maintenant... Bah l'extérieur elle a pas changé, mais de l'intérieur il y a un peu plus quoi. Construire un truc, un râtelier. Puis en plus, j'ai envie de tout construire pour qu'il dégage de devant chez moi. Du coup, j'aurais payé 4000 et quelques dans cet épisode. Une bête, Frobasier, tu dois devenir une bête de travail. Donc il y a plusieurs fois la même phrase qui sort parce que celle-ci, je crois l'avoir déjà. Quoi? Non, je n'y crois pas. Tu vas me dire que tu as tout acheté. Laisse-moi t'offrir un peu de mobilier. Frobasier! À vos ordres. Ah, ce serait bien parce que ça fait un peu vite sans le reste quand même. Genre, je sais pas, une plante. J'ai épuisé toutes mes forces, alors je vais faire une pause bien méritée. Maître du bonheur terminé. Ah oui! Ah oui, là c'est prestige! Là j'ai ma bibliothèque, là j'ai ma table, j'ai de quoi poser mes boucliers. Non, c'est la fenêtre, je me demandais d'où ça venait. J'ai le stockage. Et. Oh, j'ai un porte-manteau! Je peux stocker des trucs sur le porte-manteau? Non, on peut pas. J'ai du mobilier dans ma chambre, un petit bureau du prestige, et une plante de lit, plus des photos. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il me dit lui maintenant? Coucou. Tout simplement parfaite, je vois pas ce que tu pourrais faire de plus. C'est bien joué en tout ça, mais je n'ai encore une nouvelle, aucune nouvelle pour que tout se passe bien, c'est bien au lac à Kala. Du coup, je pense qu'on pourrait aller là-bas pour aller voir qu'est-ce que fait monsieur. Hop, je prends les marteaux en fer parce que ça a rien à faire sur ma porte. C'est moi ou c'est des flèches? Oh, j'ai la tête en bas. Ah, il pleut. Ouais. Pourquoi il y a des flèches sur mon mur de maison là? Bon, par contre, pour la maintenir, c'est fait à la pisse. J'ai un vieux tonneau pour maintenir. J'ai un pommier. Par contre, le pommier, je peux pas. Hop là! Ouais, ça va être la mort quoi. Ah, c'est. Bah, je peux pas rentrer là-dedans. C'est bête? Enfin, je sais pas pourquoi il y a une porte chez moi que je peux pas rentrer quoi. Là, c'est pour garer mon cheval. Et puis, il va falloir que j'attende que les arbres poussent. Du coup, on va s'arrêter là. Je sais, il s'est rien passé ou presque.
Mais de toute façon, c'était l'épisode de on améliore la maison. Et ouais, j'ai plein de boucliers identiques. Je vais ranger cette épée parce qu'elle est stylée. Elle est juste trop stylée. Voilà. Niveau arc, est-ce que j'ai des arcs que j'ai envie de ranger? Pas vraiment, les autres c'est des basiques dans l'ensemble. Ok. Et niveau bouclier et autre épée, j'ai rien d'autre. Longue épée de glace, celle-ci aussi elle est stylée, vous me direz. Mais j'ai plus d'emplacement, puis celle-ci c'est des trucs uniques. Celle-ci à mon avis aussi, mais bref. Comme l'épée du tonnerre que j'ai cassée, à mon avis. Voilà. Oh, c'est vrai que j'avais ça aussi. Wow, c'est joli ça. Mais ouais, du coup, je peux les exposer comme ça et prendre des photos. Si j'ai un jour envie de faire des plus belles photos de mes équipements. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé, de vous abonner pour rester au courant des dernières actualités sur la chaîne et de commenter si vous avez quelque chose à dire ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Je lis absolument tout et puis bah je réponds au mieux possible si c'est intéressant ou autre, bien entendu. Hein. Du coup, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis ciao à tous, à la prochaine et portez-vous bien. Allez, bye bye!